Ça, c'est cool, hein. C'est frustrant, hein. C'est pas mal, je me dis, c'est frustrant. Comment tu l'as fait, il est stylé. Vas-y, il l'a fait, il est plutôt stylé. Ça marche bien. En fait, c'est quand même assez original de partir d'un jeu. C'est sûr. Ce tour, en fait, je le voulais à partir d'une carte vraiment pensée et imaginée, en fait. Installez-vous quand même. Faites comme chez vous. Je vais vous proposer une petite expérience assez originale, puisque habituellement, les magiciens travaillent avec un jeu de cartes et vous pouvez tout voir. Les piques, les cœurs, les carreaux, les trèfles. Cette fois-ci, ça va être un petit peu particulier parce que j'ai ici un jeu de cartes qui n'a absolument, absolument jamais, jamais été imprimé. Ok ? En revanche, je vous ai demandé si vous aviez de l'imagination et c'est important que vous visualisiez ces cartes, les dos, les faces, les dos, les faces, que vous les visualisiez défiler devant vous. D'accord ? Si par exemple, tiens, on va prendre cette carte-ci. Si par exemple, je te demande de visualiser une carte, ouais. Est-ce que tu peux le faire du coup, puisque tu as de l'imagination? Non, je peux le faire. Ouais. Ah, ouais. Ok, alors d'abord, on va te demander de visualiser cette carte et de me nommer sa couleur. Elle est rouge. Elle est rouge, ouais. C'est exactement ça. Elle est rouge. Je vous parle vraiment du dos, hein, de la carte. Ouais. Là, maintenant, je vais la retourner, je vais te demander de visualiser sa face, ouais. Les piques, les cœurs, les carreaux, les trèfles, de l'as au roi. Est-ce que tu veux bien me nommer une carte, celle qui te fait plaisir? Dame de trèfle. La dame de trèfle. Ouais. C'est assez curieux parce que tout à chacun, on a notre propre imagination. Ce qui signifie que toi, vous auriez pu dire autre chose que la dame de trèfle. Mais là, on va se concentrer sur ton imagination. Moi, pour moi, si j'avais eu à choisir la dame de trèfle, ça aurait été cette carte-ci que j'aurais choisie. Mais qu'à cela tienne, on a demandé que ça sorte de ton esprit pour cette carte-ci. Ouais. Et tu as nommé la dame de trèfle. Je vais te demander de la récupérer et de l'insérer dans le paquet, s'il te plaît. À l'envers, pardonne-moi. Exactement. Et c'est assez curieux parce qu'on regarde bien. Si on claque juste les doigts comme ça, on va s'apercevoir qu'une carte apparaît. Et évidemment, elle est rouge, puisque c'est ton choix. Et ce qui serait encore plus fort, ce serait que ce soit la dame de trèfle. Ah ouais, c'est quand même très fort. C'est vraiment fort. Hein. C'est vraiment très cool. Ça, c'est cool, hein. C'est frustrant, hein. Ouais, c'est cool aussi en anglais. Les graisses, c'est pas mal. C'est que c'est pas mal. Tout le presque, la bouche.